Voilà, ben j'ai de l'aide pour démonter mon Kangoo. Donc là, on a déjà enlevé une partie de l'isolation que j'avais faite. Là, la personne qui m'aide enlève le bois, donc il fermait de l'extérieur. Là, j'ai enlevé déjà beaucoup de choses. Tous les meubles sont vides, les rideaux sont enlevés. Et ben, on continue. Qu'est-ce que c'est là? À plus tard. Bon, alors voici le Kangoo vide. Je vais vous montrer. Il n'y a plus rien. Les portes, il n'y a plus rien. Voilà, idem. Dedans, j'ai tout enlevé. J'ai même soulevé le plancher. Et vous aviez raison. Il n'y a pas une seule trappe d'accès au réservoir. Alors maintenant, je passe un coup de balayette. J'ai même enlevé le faux plafond devant. Et puis, bah, on va remettre une grille, la grille à l'intérieur qui fait la séparation. Que si la personne qui va l'acheter la veut, ça sera dedans. Voilà. Après, j'ai une autre idée éventuellement, c'est de remettre en état proprement les côtés qui sont roses et quand même un petit peu abîmés par l'utilisation. Je vais enlever le rose et je le réinstalle complètement. Neuf, propre, bon, avec les mêmes éléments que j'avais d'installation. Et je vais la mettre, je vais le mettre le Kangoo sur le bon coin, équipé van. Et je vais proposer ça à 9 500 €, avec les révisions, pompe à gasoil neuve, nouvelle courroie d'Istri, pompe à eau, révision faite, contrôle technique, ok. Voilà. Donc, à voir plus tard. Je crois que c'est hyper lourd ce truc. C'est hyper lourd. Allez, on va les mettre dehors. Hop, hop, hop. Voilà, ça peut rester comme ça.